Aujourd'hui, on n'a plus envie de rentrer dans un moule d'un poste déjà prédéfini. C'est l'inverse maintenant, c'est les gens qui disent « Moi, ce que je veux, c'est travailler pour cette boîte. » Mimo, c'est une solution d'accompagnement à dispo de toutes les personnes pour qui l'épanouissement professionnel n'est pas en option, en gros. Parce que l'idée, c'est pas de trouver un job, c'est de trouver le job. Énorme. C'est pas du tout ça, c'est même l'inverse. Toi aujourd'hui, est-ce que tu passes encore par une agence de voyage pour réserver tes vacances? Moi par exemple, quand j'ai terminé mes études, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis mon CV sur un job board. Et là, il y a un mec qui m'a appelé et qui m'a dit « j'ai l'opportunité qu'il te faut ». Et là je lui dis « si je comprends bien, ça fait 10 minutes qu'on échange et t'as vu mon CV et t'es capable de me dire que tu sais exactement quel job est fait pour moi ». Non mais attends, là, si je comprends bien, t'es en train de me dire que tu sais mieux que moi ce que je veux. Attends, si je comprends bien… À chaque fois qu'on en parle, il s'énerve. Bah ouais, qui est mieux placé que toi pour savoir quel job te correspond vraiment? Sans blague. Notre volonté première, c'était tout déglinguer sur le marché du recrutement. Mais finalement, on faisait un peu ce que tout le monde faisait. Rien de novateur. Vraiment pas excitant. En gros, c'était de la merde. Et là, du coup, on s'est dit, on arrête tout. Et c'est là que Mimo a commencé. Alors, on a rappelé tous ceux qu'on accompagnait, des heures au téléphone, avec un seul objectif. Comprendre leurs réels besoins lors de cette phase de transition professionnelle. Habile. Aujourd'hui, on n'a plus envie de rentrer dans un moule d'un poste déjà prédéfini. Parce que moi, ce que je veux, c'est travailler dans cette boîte. Celle qui me permet d'atteindre mes objectifs et qui répond surtout à mes valeurs et mes convictions. C'est simple. La première étape, c'est d'apprendre à se connaître. Du coup, on a mis en place un révélateur professionnel pour déterminer ton profil pro et ta personnalité. Et à la suite de ça, on se fait un petit call pour échanger tranquille. La deuxième étape, c'est mettre en place une stratégie pour atteindre tes objectifs. Pour ça, on a mis en place un outil qui vise à mettre de la cohérence entre tes objectifs à venir et tes expériences passées. La troisième étape, c'est faire la différence et décrocher l'entretien dans la bonne boîte. Du coup, on a mis en place un outil pour que tu puisses créer ton CV vidéo et toutes les petites astuces qui vont te permettre d'attirer l'attention du recruteur. Étape 4, réussir ton entretien. Pour ça, c'est plutôt simple. On va te donner des astuces pour que tu puisses te préparer, anticiper les objections et négocier ton salaire. Pour finir, l'étape 5, c'est la phase d'intégration après prise de poste. Nous, ce qu'on propose, c'est un suivi personnalisé et une plateforme de micro-learning qui te permet d'intégrer ton poste en toute sérénité. En gros, pendant tout le process, on te lâche pas. Bon, parler devant une caméra, c'est bien. Nous, ce qu'on préfère, c'est parler directement avec vous, échanger. Le plus simple, mimo.fr. T'as juste à remplir le formulaire. Nous, on fait ce qu'il faut pour être réactif. Et c'est avec plaisir qu'on reviendra vers vous pour échanger ensemble. Avant de terminer cette vidéo, un énorme merci à toutes les personnes qu'on a déjà accompagnées et qui nous poussent à continuer dans cette démarche. Vous êtes vraiment au top. C'était Mimo. Merci.